Là, on m'entend. Bonjour, vous êtes en relation avec les services de police. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Allô? C'est le plus important. Oui, bonsoir. Là, j'ai un ami qui a envie de commettre un suicide, mais je sais pas comment l'arrêter. Vous avez un ami qui a envie de commettre un suicide, il est avec vous là? Ouais, là, il vous entend, il vous entend. Il est à de passer le mois. Enfin, c'est plus sur une application du coup, genre, et vous, il peut que vous entendre, mais il peut pas vous parler. Et c'est quoi? Il est avec vous me dites? Ouais, enfin, il est avec moi, mais sur une application en appel. Et qu'est-ce qui va pas? Il est tout seul, qu'est-ce qui va pas? C'est quoi Non, l'histoire? non, Je veux non, en dire plus. c'est. Enfin, y a sa e-girl qui l'a quitté, c'est une rupture. Ah, c'est suite à une rupture. Ouais, voilà, c'est suite à une rupture. Il fait pas le réveillon à Nico. Pardon? Il fait pas le réveillon avec quelqu'un ce soir, il est tout seul, c'est ça? Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il est un peu orphelin, quoi. D'accord. Vous avez moyen vous d'aller chez lui ou d'essayer d'aller dans? Disons que j'habite en Suisse et lui, il habite à Rouen, quoi. D'accord, ok, ouais, je comprends mieux. C'est lui qui vous l'a dit, je suppose, en vous appelant. En fait, disons que j'ai un peu, vous voyez, j'ai un peu des compétences de Axor, pardon, sur Internet, donc Vous avez des quoi? des Des comp compétences de? de Axor. De acteur? Non, de Axor. J'ai pas compris, c'est quoi des compétences de Bon, acteur? laissez tomber. Et en gros, j'ai un peu pu écouter ce qu'il disait avec tout le monde. Et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'il était vraiment pas bien là actuellement. Oui, mais alors, donc d'accord. Donc là, vous me dites qu'il est vraiment suicidé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah Et du coup, là, vous l'appelez. Et il comment, là, au téléphone avec vous? bah parce que je l'ai appelé là, il m'a répondu mais il veut pas trop me parler. D'accord. Et donc, du coup, vous pensez qu'il passerait à l'acte C'est tout à fait derrière? possible, c'est tout à fait possible. C'est quoi qui vous fait penser ça, en fait? C'est surtout ça que j'aimerais savoir. Bah disons qu'il avait eu enfin il était en couple avec cette fille depuis quelques années et Oui, non, mais ça, la rupture, du coup, ça, j'ai compris, mais est-ce qu'il est, je sais pas, il est coutumier des faits, il s'est déjà taillé les veines, il vous l'a dit avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui... de ce que je sais là il vient de se tailler les veines là, très fortement, c'est assez profond. Vous avez son adresse? Non, malheureusement non, je l'ai pas. Tout ce que je sais là, c'est qu'il s'est taillé les veines et il est dans une baignoire. Il s'est taillé des veines. Là, vous le voyez encore là en vidéo? Oui. Demandez-lui son adresse. Lucas? 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 C'est quoi ton nom de famille? Je sais pas, je sais juste qu'il s'appelle Lucas. C'est quoi son numéro de téléphone portable? Attendez, j'ai peut-être ça. Je vais voir. Ah oui, je l'ai. C'est le 06 06. 51 Oui. 12 Oui. 22 Oui. 97. Ok. Et c'est quelle commune exactement? C'est Rouen même ou c'est une commune à côté? Non, c'est Rouen même. C'est Rouen même, vous n'avez pas du tout l'adresse, rien du tout. Et là, il vous répond pas là quand vous l'appelez là. Non, non, là il me répond pas. Et vous le voyez en vidéo ou je comprends pas Bah vous. là il bouge plus là. Bah attends, juste ferme ta gueule, il y a mon livreur là. Parler à qui là? À toi? Allô? Merci Habib. Bonjour. Enfin bonsoir. C'est pas bon. Merci. De rien. Au revoir.